durant toutes ces décennies, très éloignée, voire complètement opposée, en fait, du mouvement général et de l'évolution générale des milieux universitaires et de recherche, où on a vu monter, je dirais, l'enfermement disciplinaire, l'ultra-spécialisation des travaux, la manie de la quantification, une inflation des méthodologies plutôt que des questionnements. Bref, tout ce qu'on a appelé, et qui existe dans d'autres milieux, toute cette tyrannie de l'excellence scientifique qui a conduit en fait à transformer ou à faire avancer l'université en quelque sorte en lieu de non plus d'apprentissage de savoirs généraux, d'apprentissage d'une citoyenneté, mais d'apprentissage de l'employabilité. Et puis a aussi modifié la recherche de fond en comble, je dirais, en la transformant en une simple, de plus en plus, en une simple ingénierie experte, d'où on évacue, au bout du compte, tous les questionnements de sociaux, politiques, anthropologiques, quand ce n'est pas, je dirais, tout questionnement tout court. Parce qu'il y a de nombreux travaux où on lit et puis ça vous tombe des mains parce que c'est soit tellement spécialisé, soit tellement quantitatif.